Y'a les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième test 100% du coup des ZTER qui sont sortis. Aujourd'hui on va tester le Goku, donc la team on a pris la même, hein, full support, double Vegeto End. Et on va pas perdre de temps, et on part tout de suite sur le boss rush numéro 2 comme d'hab, pour éviter les barrières. Alors franchement j'ai hâte de voir ce Goku là, parce qu'il a un boost de 80% en attaque et en défense. Du coup il doit monter grave haut, surtout dans cette team où t'as 170% en boost de défense. Hop, on va partir comme ça. Et on va voir à combien il va monter ce petit gars. Alors, premier tour, on a le Goku, le Gohan. Tac, si on le met là, on a... Ouais, bon, en fait, le Gohan, il active tous les liens, donc... Il n'y a pas à se prendre la tête. Donc, le Goku, il a quoi? Il a un Ki plus 3 sur son passif. Donc, Ki plus 3, attaque et défense, plus 80%. Quand il part... Non, au début du tour. Au début du tour. C'est au début du tour. Tout parfait. On vient de commencer. Il a déjà 92 000. Tout est tout à fait normal. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus d'ailleurs si vous kiffez les tests 100%. Moi, ça me fait bien marrer. Il monte à 1 million 1 quand même, hein, dès le début. Ok. Il est pas trop là pour rigoler, je pense. Je pense qu'il est pas trop là pour rigoler. La première spé qui tombe à 2 millions 2. Bon, là, on va garder, hop, le Vegeto. C'est un truc de fou, quand même. Hein. C'est vraiment... Ils ont vraiment eu un up de fou furieux. Hein. Ils ont vraiment eu un up de fou furieux. Vous imaginez, quand même, 92 000 en défense. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Le Goten, il a un boost de 70% en attaque et en défense. Et il change les orbes de ki, en plus. Alors, ce qui est bien sur le Goku, aussi, c'est qu'il est... Il booste l'attaque des alliés de 25% quand il part en spé. Du coup, ça fait plaisir quand tu mets en première position. Il booste tout le monde. Il tank, il booste et il fait des dégâts. Voilà, c'est magnifique. C'est qui a fait du 891 000 là? C'est qui a acheté un critique à 891 000? C'est Gohan? Non, c'est... Je sais pas vu c'était qui. Alors. Du coup... On va partir en spé comme d'hab, hein. On va partir, il y a zéro lien avec... Alors là on a le Kid Buu plus le Gohan, on a un boost de 85% en défense et en attaque, et on tombe à 114 000 de défense. 114 000 de défense, c'est ah, juste n'importe quoi, c'est juste n'importe quoi, hop, on va mettre ça là. Bon je pense pas qu'on a déjà crit tout à l'heure, ça serait bien de recrit, hein. Moi je dis pas non à un deuxième crit. Si t'es chaud pour faire un deuxième crit, Goku, moi je suis d'accord. Pas de deuxième crit, malheureusement. On prend du 80, voilà. Que dire de plus? On prend du 80. Je veux dire, il y a un moment, voilà. Après, oui, il y a les supports derrière, c'est clair. Mais même sans les supports, il doit avoir un petit 75 000, 80 000 en défense. Ce qui est déjà pas dégueu, bien sûr. Hop, on va mettre ça ici. Ouais, on laisse les deux végétaux dans la même rotation, on s'en fout de toute façon. Ils ont aucun impact sur le boost du Goku. Le Super Saiyan, il sera tout le temps activé, du coup, c'est pas nécessaire de les laisser. On se prend une petite spé. Hop, le petit végétaux qui est là. Du coup, ce Goku-là, bien sûr, il n'est pas titulaire dans la team Super Pui. Si vous avez le Vegeto et l'air, le Goku SSJ4, le Pekwan, tout ce que vous voulez. Si vous avez toutes les cartes, il faut dire qu'il n'est pas titulaire. Mais si vous les avez pas, franchement, c'est un très bon remplaçant. Il est excellent. Et le ZTER de ces unités-là, je le trouve plus simple que les autres. Dans le sens où si vous avez Thalès, ça trace. Hop, on va mettre. Il n'y a aucune différence. Ah, si, un petit. 160 157 ici. Il perd de l'attaque. Ah non, c'est exactement pareil. Ok, bon, c'est exactement pareil. On va partir comme ça. Hop, le Vegito qui bouge, 100 000 de défense. Alors, j'espère qu'il va me spé. J'ai bien envie qu'il me spé là. Pour voir combien de dégâts je vais prendre en spé. Bon, là, je prends que dalle, normal. On monte à M3. Les valeurs d'attaque font plaisir quand même sur ce perso. Hein. Les valeurs d'attaque font plaisir. Ah, une petite spé. Alors, combien on prend en spé? Parfait. Franchement.
Tant qu'on touche du moins 10 000, franchement, ça fait taf. Hein. Sur une spé, en plus, c'était contre le bon chip. Tank très bien. Hop. On va mettre les deux ici. On va mettre un petit Senzu comme ça. Si le boost apparaît le même tour, on va encore avoir le boost parce que ce serait bête de perdre ce boost là. On va mettre là. Hop, allez, c'est parti. Voilà, le Juba il est mort de toute façon. On va voir pour activer le Dokkan Mode avec. On va essayer d'activer le Dokkan Mode avec. Bon, le SV là il tape pas des masses. Elle a quand même pas mal joué l'aspect du SV. Hein. Franchement, l'aspect du SV elle est pas mal du tout. Même le compte, je kiffe. C'est le moment où Bouen il rend Ok, d'accord. Ça doit être un son qui est sorti de Discord, désolé. Je vais fermer Discord. Hop. On va fermer Discord. Voilà. Le problème est réglé. Ouais, du coup. Ce Gohan là, je crois bien qu'il a le lien Kamehameha. Si je me trompe pas. Guerrier doré. Oh non. Non. Ah, je suis assez déçu s'il l'a pas. Ah, s'il l'a. Voilà. Donc, il a le lien Kamehameha. Ouais, il y a tout qui est activé. Il y a quasiment tout. On va partir comme ça. Hop. Et si on va prendre ça. On va essayer de prendre un maximum d'or pour partir en Dokkan Mode. Par la suite. Le petit 1,2 million. Toujours pas de critique. C'est dommage. Bon, il nous a lâché un critique d'emblée en même temps. Hein. Il nous a lâché un critique d'emblée tout à l'heure. Là, on est contre le Freezer. Alors, le Freezer, il a la phase Agi, puis... Ouais. Agi, puis Etek. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de phase où on pourra faire dégâts supplémentaires vis-à-vis du type. Alors, prochain tour. J'ai le kit bout dans la rotation. Putain, j'aimerais bien l'avoir le kit bout au moment où j'ai le Dokkan Mode. Est-ce que je sortirai pas le Gohanado pour avoir le boost de 50% et après je récupère le Goku SSJ2 derrière. C'est jouable, c'est jouable. Après, faut voir. Faut voir comment ça va se goupiller. Ok, il nous lâche le SP. Bon, lui, va, c'est sûr, lui, va faire 0 dégâts. Hop. Alors, soit je garde le kit bout pour partir en Dokkan Mode, soit je... Ah, je vais garder le kit bout. Je vais garder Kidou en espérant pas tomber sur Végétothèque. Ouais, bon, je vais garder Kidou. On va garder le Kidou. On voit que là, la barre monte assez vite hein, du Dokkan Mode. Kidou, bien sûr. Ça se peut aller pas monter son arme non plus, donc il va pas faire masse dégâts. Il est même pas level max d'ailleurs. Un petit 2,7 millions. Petit 2,7 millions qui fait plaisir. Bon, alors ce qui est dommage, c'est que quand c'est pas le leader, forcément faut attendre un tour sur deux. Hop. Oh, on va tomber avec le Végétothèque. Ah non. En rotation, ça va être Végétothèque. C'est dommage. Le seul support que j'aurais pas voulu. Le seul support que j'aurais pas voulu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. La petite spé de Végéto qui crit jamais d'ailleurs. Alors, les deux Végéto ils ont du crit. Enfin, le mien il a du crit dans l'arbre, l'autre j'ai pas regardé. Je les ai rarement vu crit ce combat là. On n'a pas vu grand chose. Hop, on va le mettre ici. Non, niveau lien c'est zéro. Ni Super Saiyan, ni Kamehameha. Bon, après, on a le boost. Ouais, c'est triste quand même.
ça me fait bien chier. Vous avez pas le boost. Bon, vous savez quoi, de toute façon, on est là pour faire des gros dégâts. Hop, la vénalité est présente. Hop, on part sur ça. Mais là, ça fait largement plus que les liens. Et on va taper fort, je vais être content. On se prend 0 dégâts comme d'hab. Là, on va se prendre même pas du... Ouais, même pas du sang. Donc, il y a de mode. Tac, tac. Ouh là là là, là j'en ai raté un. Mais non, j'en ai raté un. En plus, ça baisse de ouf les dégâts à la fin, le multiplicateur. Bon bah, tant pis, écoute. Tant pis. On espère au moins le crit. Au moins le crit qui tombe là, ça ferait plaisir. Le crit à 7 millions qui tombe, et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait grave plaisir. Le crit à 7 millions. On a des gros dégâts comme on voulait. Voilà. Les dégâts sont tombés. C'est bon, je peux finir le test ici. On a tapé fort. Voilà pour cette vidéo, frérot. J'espère que t'as kiffé. N'hésite pas à lâcher un like à t'abonner si ça n'a pas été déjà fait. À me dire en commentaire quel test 100% tu voudrais voir la prochaine fois. Parce que il y en a beaucoup et je sais pas lesquels prendre. Donc n'hésitez pas à me faire des recommandations en bas, vraiment. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Dokkan Test 100%, pas 100%, multi, tout ce que je veux. Portez-vous bien, pas de bisous, ciao.